les clients qui sont, les abonnés qui sont en panne, bon, on appelle le 10-13 ou le 10-15, parce que on fait les résidentiels et les professionnels, on répond au téléphone pour les gens qui sont en panne. Quoi. Puis, suivant, on fait un diagnostic quoi, de panne, et s'il y a besoin d'une intervention, on envoie un technicien quoi, dépanner la ligne. Quoi. Je suis rentré le 8 juillet 1974, donc je fais un peu de tout. Construction des lignes d'abonnés, des rangements câbles, aériens, souterrains. Puis après, en 96, décembre 96, je suis arrivé ici au 10-13, hein, à Morlaix. Il paraît que c'était pris en compte, peut-être. Oui, mais je trouve un défaut qui pourrait venir d'un filtre, madame. Avez-vous mis le poste direct sur la prise téléphonique? Donc, je suis passé par Paris, comme beaucoup, pendant 7 ans, j'ai dû être à Paris. Ensuite, Quimper, j'ai dû rester 2 ans. Et puis, depuis, je suis à. Depuis quand? Depuis 93 ou 95, je suis à Morlaix, quoi. C'est classique hein, comme parcours, parce que tout le monde démarrait à Paris, ou presque tout le monde. Il faut rappeler 3-0 par rapport à la. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Là, il n'y a rien dessus. Un numéro de téléphone fixe. Ouais. Non, un numéro de. Je suis quand même démarré bon, à Paris à la Poste, après en 85, je suis arrivé à France Télécom à Quimper. Et donc là, on était encore en PTT, on pourrait dire. Hein. Quand même, c'est une mutation donc par les préfets. Enfin, on est arrivé donc ici à Quimper, et puis effectivement, depuis en 25 ans, donc on a vu tout le changement qui a amené donc cette situation France Télécom. Je fais le nécessaire. Bonne fin de journée, au revoir. Je suis rentré à France Télécom il y a déjà 8 ans. Et donc je suis rentré dans le commercial, parce que j'ai mes diplômes de commercial, je suis plus commercial à l'origine. Okay. Donc j'ai fait 4 ans donc, dans le commercial, j'ai fait 2 ans à Angers. Ensuite j'ai été muté sur Nantes, donc par rapport à la vie de famille et le monde du sport. Donc j'ai été muté sur Nantes pendant 2 ans, et après donc, ces 2 années, je suis arrivé ici. Ça fait 4 ans que je suis ici. Moi, j'ai ici, vous êtes au bon endroit, 10-15. Mais là, je suis 31 août à midi. France Télécom, ça fait 27 ans que je travaille à France Télécom, mais je suis ici depuis 96. Si vous débranchez votre accès Internet, le bruit persiste ou pas? C'était toujours le service public, et donc il n'y avait pas de soucis, il y avait toujours autant de rangements. C'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de monde, et puis bon, tout le monde s'entendait très très bien, il n'y avait pas de cette notion de rentabilité, mais pour autant les clients étaient toujours satisfaits. Moi je l'ai ressenti comme ça, quoi. Et puis moi j'aimais bien mon boulot. J'allais au boulot, vraiment, ça me plaisait ce que je faisais. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Merci à tous d'être venus. Hein. Donc, on a vu Petit Nicolas hier. Donc, voilà la démarche. La démarche, c'est surtout pas de débordement, être digne, déterminé. Alors, il est clair que Petricola et les membres du CE vont sortir à 11h moins de quart. Il y a une suspension de séance. Et donc, Petricola sera là pour répondre aux questions du personnel. Donc, il faut intervenir avec votre cœur, avec vos tripes, pour dire ce qui se passe et ce que vous ressentez dans vos services. C'est une demande.
de dialogue en direct entre la direction et les salariés. C'est tout, c'est pas plus que ça. Et donc dans ce cadre-là, il est normal que le CE interrompe sa séance. Il est décidé par la directrice. C'est simple. Il n'y a pas de traquenard. Pas de traquenard, c'est une suspension de séance du CE. C'est une demande de dialogue en direct avec les salariés. C'est tout. Concerné. Je suis à France Télécom depuis 1979, donc ça fera 31 ans. Ça fait 31 ans. Donc j'ai commencé comme agent des lignes. Un petit parcours, donc après j'ai passé des concours, conducteur de travaux, reçu, non nommé. J'ai changé un peu de service, j'ai fait le même travail que les collègues des 28 de Morlaix. Donc, j'ai fait du 10-13-10-15. Et après je suis revenu sur le terrain. Et par contre, je suis engagé syndicalement depuis le début. Et là, je me suis impliqué à fond dans le combat des 28. Oui, on l'a dit, c'est pas une délégation. Non, on n'a pas de bol. C'est bon, dit pour arrêter, comme M. Bellon se mettait. Non, puis en plus, la CGT ne peut pas se valoir. Allez, rentrez tous, là. Rentrez. J'ai appris juste un peu avant eux. Peut-être 2-3 heures avant eux. C'est moi qui ai eu la douloureuse. Le chemin de dire, ouais, effectivement, vous êtes remis en cause dans votre site. Et donc, j'aurais fait cette mauvaise annonce. Je dis, mais on a rien n'est perdu, on va lutter. Et dès le départ, on a décidé, bon, de toute façon, on va résister. On n'a aucun. On n'a plus rien à perdre, de toute façon. Ils n'avaient plus rien à perdre. La seule chose qu'ils avaient à perdre, c'était. Leur emploi sur Morlaix, et c'est ce qu'ils voulaient pas perdre, donc ils sont restés jusqu'au bout là-dessus. Et donc pour situer donc les dates en fin juin, donc début juillet, on a organisé une intervention sur le CE de Rennes, et là on a intervenu fortement, quoi. Si on veut de la place, je vous invite à me suivre dans l'amphithéâtre. La situation est simple, les camarades ne veulent absolument pas de la fermeture des sites. À partir de là, il n'y a pas de discussion possible. Voilà. S'il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas de discussion possible. Il y a une discussion à partir du moment où vous revenez sur la fermeture des sites. Et surtout, il faut que vous entendiez la colère des agents de France Télécom. Et syndicalement, c'est vrai que je dis franchement, il a fallu pousser, hein, parce que les structures syndicales ne sont pas toujours à l'écoute ou très très au courant du niveau de combativité des gens. Et là, on a poussé directement au niveau des organisations syndicales, de mon syndicat aussi, pour qu'il y ait une intervention radicale ce jour-là. Le futur et toutes les raisons d'y croire. Vous avez vu l'expression des salariés, voilà. On y croit vachement. Alors on a cru aussi aujourd'hui à une certaine parole où on pouvait prendre la parole, soi-disant ensemble, et échanger. On y a cru. Sauf qu'on a eu les portes fermées ce matin. Bon, ça commence. Déjà le dialogue est là. Les organisations syndicales que nous sommes ici, on vous a demandé, on a échangé plusieurs fois pour vous donner le sentiment du personnel. Nous sommes les représentants du personnel. Vous n'entendez rien. Aujourd'hui c'est une première, et c'est la première. D'une longue série, je pense. Je suis entré à France Télécom en 1978. Et donc après j'ai fait 4 ans à Brest, au service des lignes. Et ensuite, je suis parti en Normandie, à Bernay, là où je suis resté jusqu'en 1990. Ensuite, je suis revenu à Guingamp, donc de 1990 à 2005. Et donc en 2005, je suis venu à Brest. Bon, toute ma carrière, j'ai toujours participé à toutes les luttes qu'il y a eu, et puis donc avec des moments très forts, comme surtout sur Guingamp, quoi, où il y a eu. En 95, et puis même après d'autres luttes assez dures, des fois. Donc, j'ai été habitué à quelques luttes longues, mais souvent victorieuses. Donc, moi je prends la parole, au nom de Marais 10, 13 et 15 de Marais. Donc, nous, on est également sous choc, exactement comme ce mur. Hein, donc, nous, le transfert d'activité qui est proposé sur Brest, on ne peut pas y aller, les distances sont beaucoup trop longues. Et quand on vient nous dire que l'activité n'est pas pérenne, ça c'est faux, parce que vous savez très bien que les flux, vous pouvez les envoyer n'importe quelle activité de l'Internet à laquelle vous pouvez les faire arriver. Alors il ne faut pas nous raconter n'importe quoi, ça c'est faux. Aujourd'hui, vous nous vantez tous les mérites des produits de France Télécom, et télétravail et tout ça, donc vous pouvez le faire. Mais lorsque actuellement, vous touchez, c'est à la vie familiale, tout ce qui est tout autour de notre vie. On a acheté, on a nos enfants là,
Et ça, le 10-13, enfin Morlaix, en tout cas, ne partira jamais sur un essai. On se battra jusqu'au bout. Et quoi vous nous proposez, ce sera toujours refusé. Là, il y a un point où on ne peut plus reculer. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Bon, c'est arrivé petit à petit en juin 2007, fin juin 2007, donc le directeur d'unité même, il est venu nous dire que il avait l'intention de nous muter sur Brest. Et on a bien compris que c'était en fermant le site, en fait, de nous faire bouger sur Brest en ayant les mêmes activités. Au revoir, monsieur. En réalité, il n'y a jamais eu de démonstration, ni de la boîte, ni de qui que ce soit, d'ailleurs, démontrant qu'il y avait un intérêt économique, que ce soit pour France Télécom ou encore moins pour les salariés, bien entendu. Donc ça n'a jamais été démontré, quoi. Donc c'était pas ça l'excuse, entre guillemets, que trouvait France Télécom au transfert, hein. L'excuse était de faire des grands centres avec soi-disant plus de soutien, que ce soit au niveau des responsables ou des soutiens d'activité, mais en réalité là non plus ça n'avait aucun sens. 26 74 14 ISO 0,22. On souhaitait pas avoir nouvelles mutations, ni on n'envisageait même pas le fait de pouvoir aller ailleurs, quoi. Enfin, la plupart d'entre nous. Et donc, en juin 2007, on nous a dit ça. On est pris dans le bain également. Donc, pour nous, enfin, pour chacun d'entre nous, je pense, dans sa tête, on s'est dit, c'est pas possible, quoi. Puisque ça voulait dire, entre une heure et trois heures de trajet par jour. Pour certains, hein, donc par les transports en commun, donc c'était très difficile à vivre. Et à mon avis, moi personnellement, j'ai déjà fait comme Anna Quimper, donc moi je faisais 120 km par jour aller-retour, plus après dans le boulot, donc je connaissais bien le problème. Hein. Donc si je suis venu à Morlaix, c'est pas pour repartir encore sur la route. Oui, mais je trouve un défaut qui pourrait venir d'un filtre, madame. Avez-vous mis le poste en direct sur la prise téléphonique pour voir si vous aviez toujours des... Une théorie, un dogme qui était en avant à France Télécom en disant qu'on travaillait mieux dans des grands centres avec des grands plateaux, avec des open space totalement déshumanisés et que les petits sites n'avaient aucun avenir. Ça n'a pas changé, quoi. D'accord, madame. Je peux le prendre. Bah, c'est clair que j'ai vécu mal parce qu'on venait donc avec ma femme de s'installer en Bretagne, ça faisait un an. Donc ma femme avait quitté donc sa région, elle était dans le sud pour venir habiter ici. Donc on a acheté une maison, on a eu des enfants. Et donc là, quand on l'a appris, ça a été très très dur. En plus, moi handicapé pour faire la route et tout, j'étais vraiment... Ça a été dur à entendre. Quel numéro, s'il vous plaît ? Bon, d'accord. La ligne, le numéro, on vous l'a bien attribué. Le 02. Je pense savoir ce que c'est. 43, 46. En réalité, ils cherchaient, comme ils l'ont fait partout en France, à dégoûter les gens d'aller au boulot. Donc, ils cherchaient à faire démissionner les gens. Quoi, donc. C'est mettre de la pression, justement, économique sur les personnes, puisque automatiquement, quand tu dois prendre ta voiture pour aller au boulot et faire 100 bornes par jour minimum, ça te fait des frais financiers énormes, quoi. Moi, j'avais calculé, pour moi, j'en arrivais à plus de 7000 euros, donc on prend des gens qui gagnent un peu plus de 20000 euros, ou aux alentours de 20000 euros, ça fait un tiers du salaire, quoi. Donc là, on te met de la pression déjà financièrement. Donc si on te met de la pression, derrière, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Soit tu peux faire l'aller-retour tous les jours, soit tu cherches un autre boulot ou une autre solution. Quoi. Nous, on a choisi de lutter, mais ce n'est pas le cas partout. Hein. Différents endroits, les gens ont cédé, ils se retrouvent dans la panade. Et donc, la solution pour sortir de la panade, ce n'est pas France Télécom qui la propose. La seule solution que France Télécom propose, c'est de quitter France Télécom. Donc, et le but de rechercher, c'est bien celui-là. Là.
Nous, on veut l'arrêt des fermetures. Voilà. Et le maintien des sites. On écoute. Ah bon. On travaille au pays. Bien sûr. J'entends tout à fait ce que vous m'avez dit. Alors, avec ou pas, sans droit à l'image, je ne sais pas ce que vous allez en faire, mais je pense que vous allez un petit peu gaspiller vos batteries et vos... Là, tu vois que tu as affaire à une direction que tu vas rien entendre. Non. Ça, non. Donc, c'est pour ça, au bout d'un moment, quand il n'y a plus de dialogue, c'est moi je veux dire que, comme on a toujours fait ici, on va causer plus. Continue de notre côté. Ben non, mais bon, ils venaient là, ils nous envoyaient leur sbire, le RH qui venait là. Et les recommandés qu'on a eus. Les recommandés Ardois qui venaient là. Bon, tiens, ce serait bien. Oui, les dégâts que ça a fait, n'empêche. Hein et puis, au bout d'un moment, quand il n'y a plus de dialogue, c'est pas la peine. C'est on cause plus, puis voilà. Chacun de son côté de son mur, puis on se balance des cailloux. Voilà. On nous a dit qu'effectivement, on était en réflexion, qu'il n'y avait pas de décision pour le moment. Nous ne nous y attendions pas maintenant. Donc, effectivement, notre inquiétude, elle est non seulement pour les salariés qui vont devoir aujourd'hui faire plus de 50 km. Et vous êtes en train... Je ne sais pas ce qu'ils pensent. Il doit dire, on est mal. Putain, les... Ouais, il n'y a pas bonne mine. On n'est pas sorti de l'auberge avec ces connards. Ouais, voilà, tout à fait. Oui, mais qui c'est qui a cherché la merde, c'est bien. Bah oui, bon, on est où? Il peut rester longtemps après, RH, plus récolté. Il a été. On est toujours un autre en place. Les salariés pour prendre le pouvoir d'achat. On n'a pas besoin des cadres supérieurs. Qui était comment on pouvait accompagner cette décision de l'entreprise. Et nous sommes toujours dans la logique du comment on peut accompagner cette décision de l'entreprise. Les discussions, on peut les avoir sur les méthodes d'accompagnement, sur le calendrier, mais pas sur la finalité. Je vous ai très bien entendu. Vous voulez que toute la DT s'arrête, c'est ça? Parce que si toute la DT s'arrête de travailler, vous allez peut-être réfléchir à deux fois. On va vous accompagner, vous aussi, pour partir. Qu'est-ce qu'il vous faut comme pression pour que vous changiez d'avis? Si les actionnaires, il faut qu'on toute la DT s'arrête pour leur faire comprendre, ben on va s'arrêter. Si la boîte ne tourne plus, il va bien falloir qu'on nous entende. Si c'est ça que vous voulez, ben je crois qu'à un moment, on va le faire. On va faire du patriotisme. On va tout bloquer. Ça va le faire. Moi, je pense que Morlaix était constitué d'anciennes personnes qui ont fait ce, depuis très longtemps du 10-13, hein, donc l'activité. D'autres personnes qui avaient été au service des lignes, donc qui connaissaient très bien le réseau, donc qui connaissaient très bien Donc il y avait un mélange de personnes hein, qui connaissaient bien le réseau, bien les dérangements. Et c'est quand même un des premiers. Une des premières bases quand même pour un service des dérangements qui puisse répondre à des questions qui sont posées par les clients et puis qui puisse même résoudre des problèmes sans déplacer de technicien sans donc eux ils ont appris à travailler comme ça donc d'une façon je vais pas dire artisanale hein, c'est pas ça mais d'une façon d'essayer de satisfaire le client le plus vite possible et d'éviter et ne pas travailler comme ils faisaient dans d'autres services, enfin, ils ont essayé de le faire, c'est
de travailler à partir de scripts, de répéter des questions, de pas connaître bien le boulot. En fait, c'est la connaissance du boulot qui les a soudés, à mon avis. Et la diversité aussi de leur origine, mais bon, et peut-être des habitudes un peu de réagir aussi, parce que comme je citais tout à l'heure, il y avait eu des, sur les horaires, il y avait déjà eu des conflits, donc les gens se connaissaient bien. Et donc pendant les deux ans, là, ils ont aussi démontré qu'ils étaient bons, quoi. D'ailleurs, ils ont gagné deux challenges sans faire exprès, en faisant leur travail normal, quoi. Donc ce qui montrait bien que quelque part, même y compris quand des applications étaient en panne, parfois eux ils pouvaient continuer à travailler, tandis que les autres, ils se sont pas tourner les pouces, mais ils pouvaient rien faire sans. Donc c'est, moi je pense que c'est cet aussi amour un peu du métier qui a fait qu'ils ont tenu le coup. Quoi. Non, mais avec vous, je sais pas. Ah oui, ragout toutou, le bon ragout de mon toutou. Ragout toutou bon, mais... Attendez, là, vous n'avez pas de serveur, parce que vous m'avez dit... Ah, t'étais en ligne. Quel numéro de... Voilà, vous signalez un dérangement, monsieur. Dans ma tête, moi, c'était clair. Il est hors de question que je parte d'ici. De toute façon, il était hors de question. Je sais pas comment ça se serait passé s'il avait fallu partir. Mais... Une chose est sûre, c'est que bon, je pense que la première semaine, j'aurais fait la route, hein, mais je pense que la deuxième semaine, j'aurais pas. La motivation n'aurait pas eu. J'aurais plus une motivation, la fatigue et tout. Par tous les temps. Honnêtement, j'aurais pas. Deuxième semaine, je pense que déjà j'aurais tiqué. Hein, je me serais arrêté. Honnêtement, je me serais arrêté. Non. Donc, il n'y a pas que le boulot non plus. Après, et puis, c'est ta vie personnelle et tout. Pour les loisirs, il y a un tas de trucs. J'aime bien jardiner et tout ça. J'aurais eu du mal à attraper tout, hein, ça c'est clair. Hein, et... La ligne France Télécom, bonjour. De vérifier au niveau du matériel. On n'a pas lâché prise, hein, on travaillait quand même, on va dire normalement. Hein. D'ailleurs, c'est vrai que les responsables étaient un peu étonnés. Hein. C'est vrai que bon, c'est vrai que quand on apprend des choses comme ça, une chose comme ça, et puis on t'a envoyé ailleurs, bon, c'est vrai que c'est un coup à baisser les bras de ne plus vouloir bosser. Quoi, mais non, on travaillait quand même. Hein, on travaillait quand même. Même si c'était dur, on travaillait quand même. Bon, je vais tester également ce numéro-là. À mon avis, il doit avoir le même souci. Hein. Du réseau. Il y a un problème réseau. Donc, je vais envoyer un technicien. Hein, et dès qu'il intervient, ben, il vous appelle sur le numéro en question. Donc, il y a des grandes chances que ben, le temps qu'il fasse la réparation, vous soyez coupé. Quoi, hein. Voilà. Les gens, ils ont une solidarité entre eux. Je pense qu'ils se connaissent très bien. C'est peut-être parce que c'est un petit site. Et ils ont surtout pas un esprit individualiste. Ça, je crois que c'est une des forces qu'ils ont eues dans le combat qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont su, tout en étant individuels, mettre le collectif en premier. Ça, ils ont mis toujours en avant le collectif. Et même maintenant, que des collègues, il y a eu des collègues à qui on a fait des propositions pendant la lutte, de pouvoir partir dans des conditions très, très intéressantes pour eux. Qui ont fait le choix de rester jusqu'au bout. Ça, c'est super. Y a des jours où ça allait, où on me disait, bah tiens, on t'a peut-être trouvé quelque chose pour toi, même si c'est vrai que par rapport à mes collègues, c'était un peu difficile d'en parler, parce que ils savaient que, bah, comme j'étais handicapé, ils allaient me retrouver quelque chose à côté, donc c'est difficile d'en parler avec eux, et c'est vrai que quand j'arrivais le matin, c'était, je voulais pas trop parler de ça, et donc c'est vrai que, bah, quand j'arrivais le matin, on me disait, oui, on t'a peut-être trouvé quelque chose, bah après, quand j'ai passé deux ou trois entretiens, on m'a envoyé passer des entretiens sur Rennes. Une fois on m'a dit deux jours avant on me dit bah tiens t'as un entretien à Rennes, mais on m'a pas dit plus, donc on m'a envoyé à Rennes, donc en plus j'étais avec ma voiture personnelle, donc après je l'ai su après que j'avais pas à aller là-bas en plus par rapport à mon statut. Et donc quand je suis arrivé là-bas, en fait c'était pour c'était des gens de l'agence qui me passaient un entretien, en fait, alors que j'étais pas au courant rien du tout. Donc des choses comme ça, donc ça c'est difficile.
Et deux jours après, pour nous dire qu'en fait, c'est pour me proposer un poste de vendeur en agence, alors que je peux pas tenir debout plus d'une heure dans la journée, donc j'ai, par rapport à mon handicap. Donc c'était impossible pour moi. Et voilà, c'est beaucoup de choses qui ont fait que des fois ça allait bien, parce que des fois ils me trouvaient des choses qui pouvaient peut-être correspondre, alors que on découvrait derrière que c'était entre guillemets bidon, quoi. Ils me faisaient des propositions qui étaient dans le cadre du transfert d'activité, mais qui ne correspondaient à rien, quoi, en fait. Donc des jours ça allait, des jours je repartais dans le noir par rapport à tout ça, parce que c'est difficile on dit ouais, on t'a trouvé quelque chose, et derrière non, en fait c'est pas pour toi. Et puis en plus, vu comment c'est annoncé, quoi, parce que s'ils prennent pas de pincettes pour nous dire non, on n'est pas, ça te correspond pas du tout, quoi. Donc c'est un peu difficile, mais bon, je suis jeune, donc j'ai quand même la niaque. Donc c'est quelque chose qu'on a décidé que c'était inacceptable. Et c'est venu de chacun d'entre nous, petit à petit, on s'est dit, c'est pas possible, on va pas supporter ça, quoi. C'est l'insupportable, en fait, je pense. Pour moi, c'était ça. Tous les jours, donc, on avait une discussion, et puis, pour voir ce qui se passait, parce que c'était une affaire de jour en jour, ça grimpait, il y avait des courriers, il y avait des coups de fil, donc de jour en jour, ils voulaient aller très vite, en fait, je pense. Par rapport à votre standard et par rapport à l'accès Internet. C'est toujours la même chose. Quand ils font des sales coups, ils les font toujours avant les vacances. Là, c'était avant les vacances. Donc, c'était plus difficile de constituer tout de suite un gros groupe. Mais les gens, quand ils étaient présents durant l'été, ils ont chacun amené sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, on devait se tenir le comité d'établissement à 10h. Bon, je constate qu'effectivement, matériellement, il était impossible que ce comité d'établissement puisse se tenir. Donc je propose malgré tout, puisque vous êtes venus, j'imagine que effectivement vous avez des choses à exprimer et nous sommes prêts effectivement à les entendre et à discuter sur ces revendications et sur... Non, mais... Et donc, ce que je demande à vos représentants, c'est de proposer d'organiser une délégation pour qu'on puisse effectivement discuter. Oui, c'est Pétricola. Oui, oui. Et ils sont entraînés à... Là, c'est le DRH, quoi. Et Pétricola. Donc, on voit qu'ils sont entraînés à gérer des conflits, quand même, aussi. À chaque fois, essayer de créer des délégations, discuter quand même un petit peu... En disant, on voudrait bien discuter avec tout le monde, mais on ne peut pas faire. Donc, essayer de retourner les choses. Quoi. Et surtout, essayer de faire que les gens se lassent, et quitte à passer peut-être à des actions plus violentes, parce qu'au bout d'un moment, les gens s'énervent aussi. Quoi. Il y avait un huissier qui était là, donc il n'était pas là par hasard. Quoi. Il attendait qu'il y ait vraiment. Donner nom en plus là. Hein? Il est en train de donner le nom des personnes. C'est l'adjointe au DRH, le NIR. Elle a quitté aussi la boîte? Oui, oui, aussi. C'est lui ici, là. Oui. Derrière, là. Ouais, ouais, ouais. D'accord, celui qui est en train de l'expliquer. Ouais, ouais, il est en train de prendre des notes. Donc c'est un huissier qui a été envoyé par la direction. Et à un moment, on verra, il y avait une proposition de mettre les canapés ou je peux plus, enfin les trucs qui étaient là dehors, et puis je voyais l'huissier tout de suite, là il était, je voyais son sourire, ça s'éclairait, là, parce qu'il disait, ça y est, ils vont faire une manœuvre, ils trouvaient un moyen de dénaturer l'action. Quoi. Pour une panne ou une aide à l'utilisation de vos services Orange Internet ou France Télécom, tapez 1. Ah, ça marche. 12 avril 2008, manifestation à Morlaix. Ici, on prépare les casse-croûtes. Pour le 2 avril ? Pour le 12 ? Le 12, ça, non ? 12 ? Pour le 12, à manif ici. Ce qu'on avait fait, casse-dalle en bas, là, tu sais. Ah oui, oui, oui. Donc tout le monde la prépare.
Ben, y a Guy qui est là aussi. Est-ce qu'il y a marqué ça, ça Zone protégée. Ça, c'est Philippe qui a marqué ça. Ah ouais. Voyons, quand je me rappelle plus de ça. Ça, c'est parti après. Ouais, quoi marqué. Du boulot. Du boulot avant. Ah. Ouais, c'est Philippe. C'est Philippe qui a tagué ça. Ouais. Ça fait drôle de revoir ça. Ouais. Jean-Mich. Ah, donc là il y avait du monde. Ouais. Vous avez là. Il était, je crois. Oh là, ouais. Là ça avait marché. Ouais. Cette manif, elle avait marché. Parce que là c'était vraiment pour les soutiens des 28 de Morlaix. Hein. Les retraités, les techniciens, tout ça. Ouais, les techniciens étaient venus aussi. Ah oui, ça. Les gens de l'Agnon étaient venus aussi. Ouais. Ceux d'Alès, deux, non Ouais, deux d'Alès qui étaient venus aussi. De Corse aussi. Ouais. Il y a deux de Corse ou trois qui étaient venus. Qui ont été hébergés par chez Vatican. Là, c'était vraiment que pour nous. Ah ouais, ouais. Que pour nous. Il y avait du monde. Le jour de cette manifestation sur le site de Morlaix et le résultat du projet de fermeture du plateau d'appel téléphonique 10-13, 10-15, avec toutes les conséquences... Tout le monde qui a. C'est le marché, bien sûr. Il y a le marché aussi, ouais. Que je vois. Pour suivre ouais. Notre travail, ou sur Guingamp, ou quelques salariés... Je branche, t'es là aussi. Ah oui. Fiché, t'es là aussi. Jean-Luc. Quelques salariés avec un changement en plus de métier. Là, c'est le début de la manif. Royan. Ouais. Voilà. Royan est là. Bien que moi, on voit pas, je suis tout le temps en train de filmer. Je ne sais pas si mon appareil à quelqu'un. C'est toi qui as filmé là ou c'est Jean? Non, c'est moi, c'est moi. C'est toi là? Ça, c'est moi. C'est ouais. Toi qui as ouais, c'est moi. Oh, ouais, ouais. C'est rigolo. Non, Jean-Luc. Jean-Luc. Ça, c'est Marco avec son truc. Pas mal de gens de l'Agnon qui étaient venus aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ben on voit leur banderole. Oh, il y avait plein de l'Agnon. Ouais. Les gens étaient venus. L'Agnon de Saint-Brieuc aussi, parce qu'il y avait des. Ils voulaient. Tu sais, la GTC, là, ils voulaient tous les fermer aussi. Ouais. Ils étaient tous venus aussi. Il y en a qui étaient venus de Vannes aussi, je m'en rappelle. Ouais. Ouais, les gens étaient motivés à nous aider. Ouais. C'est ça qui est. Ça faisait un peu de monde quand même, t'as vu? Ouais, ouais. Que pour nous, quoi. Que pour nous, ouais. C'est pas une manif interpro ni quoi que ce soit. Ah, c'est quand même. Que pour nous, de... ouais. Ouais. Non, on a fait les actions. On fait parler de nous, quoi. On fait parler de nous, et puis on a. Ouais. Voilà. C'est tout, on a. Fait comme que... On a su ou... quand on les a pas fait tant que ça de jouer ah, quand tu regardes bien sur les deux ans. Ouais. On a su, ouais. Parce que partir dans une grève limitée, faire, ou les faire. Non, c'était. On était perdants, là, parce qu'ils nous auraient envoyé nos appels ailleurs. Et on se serait vite épuisé, à mon avis. Ouais. Tant au niveau du moral qu'au niveau financier, ça c'est clair. Ouais. Donc là, non, on continuait, on fallait, parler de nous dans les oui, journaux, de temps en temps, petit article. Les tracts aussi, ça a fait ouais. Bien, ça sur les. On mangeait vite fait, et puis on allait distribuer les tracts après sur les ronds-points. Ouais, sur les ronds-points, ça en faisait aussi, ouais. On n'a jamais relâché quand. Il n'y en a pas certains ou certaines qui auraient dit on arrête parce que ça sert à rien. Non, ben, il y en a quand même moral à. Oui, oui, mais. Si, par contre, le moral n'était pas terrible. On se saisit, on repart dedans. Ouais. Ouais. Là, il faut le brancher sur la box et ça va marcher. Hein. Ben, j'y ai cru, j'y croyais toujours, même s'il y a eu des moments de doute, hein, ça c'est évident. Mais vu la façon dont les collègues de Morlaix étaient soudés et réagissaient, j'y ai cru donc ben jusqu'au bout. Hein. Même si les copains de Morlaix, des fois, des copines, Madiane se reconnaîtra peut-être dedans, entre autres, avaient des doutes. Hein, je leur disais, mais non, on va gagner, on est sûr de gagner quand même. Parce qu'on restera jusqu'au bout. France Télécom, bonjour. Parce qu'on sait que France Télécom, il n'y a que la com qui compte, donc dès qu'on. On passe un peu dans les médias, à quelque niveau que ce soit, on les gêne. Et... Bah, on est en train de s'en occuper actuellement. Ben oui, mais alors ils auraient dû. Ouais. Et de là, ben, y a eu aussi un petit, enfin quelque chose qui a eu une importance dans ce qu'on voit, c'est le blog.
donc j'ai tenu pendant, ben, que je tiens toujours. Et bon, c'est ma fille d'ailleurs qui m'a initié pour faire un blog avec Skyrock. C'est quoi ton truc? Et donc c'est un 13 juillet que j'ai, le 13 juillet donc 2007 que j'ai lancé ce. Elle m'a montré comment faire et puis voilà. Et du coup, ben, ce blog il a été en fait un truc unificateur de partout et de, enfin, populariser la lutte. C'était tout le monde allait voir ça. Pour preuve, c'est que la boîte, dès ça a duré un mois, ils l'ont bloqué carrément et interdit. Il n'y a pas qu'en Chine qu'on fait la censure, donc effectivement, ils l'ont bloqué carrément là. Et donc, plus personne n'avait accès au niveau interne, hein, sur ce blog, donc ils étaient obligés de partir de l'extérieur. Diversifier nos moyens de résistance, on a aussi bien vu le cadre juridique, on a intervenu sur ce niveau-là, et on avait quand même des éléments très 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 forts qui remettaient en cause, comment dire, la boîte, et on était pratiquement sûr de gagner juridiquement. Non. C'est pas vous qui souffrez. C'est pas vous qui nous faites des dépressions. C'est pas vous qui descendez au fond du gouffre. J'en avais rien à foutre. Bravo. Ça a été deux années très très difficiles par rapport à ma vie familiale. J'en ai eu. Ma femme m'a dit que j'étais vraiment horrible à la maison. Donc ça, après, on en a parlé après, parce que quand on a su qu'on restait ici, on en a reparlé ensemble, parce que j'ai bien senti que ça allait pas pendant ces deux années-là. Et donc elle m'a dit que c'est clair que j'avais changé au niveau de quand je rentrais le soir, j'étais pas pareil. Le week-end, j'étais énervé. Enfin, j'étais vraiment pas bien quand même par rapport à mon sport. Je l'ai ressenti aussi, quoi. Donc, c'est vrai que ça a été deux années très difficiles, d'incertitude. Vous ne pouvez pas composer ce numéro 10, 13. Vous ne pouvez pas composer ce numéro 10, 13. Le fait d'en parler maintenant, bon, ça, c'est un débriefing un petit peu, mais bon, c'est vrai qu'on n'en parlait pas forcément chez nous ou en famille, forcément beaucoup, quoi. On n'avait pas envie d'en parler, puisque c'était tout le temps, hein, le stress, ça vient comme ça, tout d'un coup, et puis ça vous quitte plus, après. Vous ne pouvez pas composer ce numéro 10, 15. Vous ne pouvez pas composer ce numéro 10, 15. Ouais. Oui, ça a été dur, je suis sûr. Pas stressant, quoi. Et ça nous pèse, ça nous... Bon, maintenant, bon, ça va. C'est vrai que c'est un poids... On a l'impression de t'enlever un poids, là, qui c'est, ça te pèse, hein, et c'est vrai que. Ouais. C'est vrai que quand on a appris, au bout de 2 ans, au bout de 24 mois, on a appris qu'on pouvait rester ici, c'est sûr, c'était. C'est l'impression quand t'enlèves quelque chose d'énorme en toi, j'ai du mal même à réaliser, hein, ça. Puis bon, que ce soit la famille, femme, enfant, les copains, les amis, ils voient en toi que tu vas beaucoup mieux. Parce que c'est vrai que ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. On voyait, bon, triste, stressé, pas bien. Quoi. Je
Je vois pas pourquoi on serait obligé de suivre une stratégie qui nous empêche de vivre, quoi. C'était ça, quoi. Ouais, ouais. C'était la vie ou la mort. En gros, c'était ça. Certains, je pense, parleraient beaucoup plus de ça que moi. Pour eux, c'était vraiment un risque de mort, quoi. Sur la route, ou tu vois, il y en a qui sont suicidés, ou qui ont des... Ils ont eu quand même des mouvements assez graves. Ça aussi, ça vient du fait que le travail chez nous représentait quand même beaucoup, quoi, pour les collègues. C'est une grande partie de la vie des gens, hein, donc... Notre travail est intéressant en plus. Quand on parlait de l'ambiance dans les services, effectivement, il y a des choses à Saint-Malo qui nous paraissent bizarres, à savoir qu'on a eu un PABX qui ne fonctionnait plus pendant 15 jours, et on se demande si c'est justement pour atteindre le moral des troupes, parce que les clients ne nous entendaient plus, mais nous on les entendait, et on avait des insultes au téléphone, et je vais vous la donner, par exemple, du type « Oh la salope, elle a raccroché ». Et quand vous entendez des trucs comme ça pendant 15 jours, je peux vous dire qu'au niveau moral, ouais, ça fait mal. Ouais. Ouais. Pour te dire, Ham, quand on a appris la victoire des 28 de Morlaix, donc c'était le 30 juillet, en même temps, j'apprenais le suicide d'un collègue de Quimper. Donc j'avais deux nouvelles qui me chamboulaient dans tous les sens. Hein. Donc c'était un camarade de Quimper, hein, la conduite d'activité, qui s'est jeté d'un pont. Et en même temps j'apprenais la victoire, donc j'avais au moins deux... Enfin, c'était un peu bouleversant comme situation. Maintenant, je pense que pour les 28 de Morlaix, enfin, je suis même sûr que de toute façon l'entreprise ne pouvait pas gagner contre eux et qu'elle a effectivement choisi cette porte de sortie pour... entre guillemets, partir honorablement et ne pas baisser les bras par rapport à un combat qui a été mené. Et effectivement, ben, c'est passé un peu sous ce couvert-là. La victoire, en fait, ils ont... France Télécom a entre guillemets, saisi l'occasion de sortir honorablement de ce combat. Mais je pense qu'on aurait gagné même sans ça. Dans mon département de Maine-et-Loire, donc dernièrement, là dans le dernier mois, dans l'immeuble où j'étais, un de nos collègues s'est malheureusement suicidé. C'est des choses qui blessent, qui font mal. Et je vais vous prendre un exemple qui va être un peu dur, je dirais. Aujourd'hui, il y a des chefs d'État qu'on rend responsables de crimes de guerre. Je pense qu'on pourrait aussi vous rendre responsables de ces suicides, parce que c'est le tout le stress. Pourquoi ils se suicident? Ils se suicident pas par plaisir. Enfin, je pense pas. C'est parce qu'on les a conduits à faire ça. C'est des gens qu'on stresse, qu'on pousse à bout. Et puis, ils se réveillent un matin ou ils rentrent chez eux et malheureusement, ça leur passe par la tête et il y a des gens, ils vont jusqu'au bout. Et voilà, pour l'instant, on n'en parle pas à la télé. C'est peut-être pour ça que vous ne réagissez pas. Et ayez quand même un peu de cœur, essayez de comprendre ces gens aussi qui sont arrivés dans cette situation de détresse. Parce que pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais vous avez poussé ces gens. Et je pense vous êtes responsable aussi de ce qui arrive. Vous êtes responsable, peut-être indirectement. Vous êtes... En fait, avant que ça soit médiatisé, nous, on entendait parler des suicides à France Télécom parce que ça n'a pas été médiatisé de suite. Il y en a eu avant, parce qu'ils ont commencé à médiatiser, je ne sais plus, à partir du combien tième, je crois que c'est une 19-20, et il y en a eu encore derrière. Donc les 19 premiers, nous, on les avait su pendant toutes ces années. Et c'est vrai qu'il y avait certains de nos collègues de Lannion, Guingamp, de Quimper, qui s'était suicidé, et ça, nous, on entendait parler. C'est vrai que c'était difficile, parce qu'on se posait des questions. Moi, j'en ai parlé avec le médecin du travail, où j'étais à un moment au bout du rouleau, et je lui ai dit, c'est la seule solution pour que ça bouge, ben voilà, quoi, c'est peut-être un passage à faire, quoi. C'est vrai qu'on n'avait pas tellement réagi à ce que je disais. C'était pour faire réagir un peu la boîte, mais apparemment, ça n'a pas remonté. Les situations que vous avez évoquées sont des situations extrêmement graves, pour ne pas dire même plus. D'accord ? Sur lesquelles chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, exprime la compassion
nécessaire. Je veux dire, on va pas ici. C'est nos amis. Oui. Il n'y a pas de compassion. C'est des gens que vous avez jamais. C'est pas de compassion. Les inconnus, ces gens. Attendez, monsieur, donc vous savez qu'ils avaient. On ne travaille plus avec ces gens, ces personnes qu'on ne voit plus du jour au lendemain. Vous pensez que ça nous fait. Ce que je dis simplement ici, c'est qu'il y a des détresses personnelles. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'on est là. On essaye de vous expliquer ça, mais il n'y a rien. Et vous nous parlez d'êtres humains, mais vous ne voyez pas ça. C'est produit à Angers récemment. Aucun responsable ne s'est déplacé. Aucun. On essaie de comprendre pourquoi. Est-ce que vous êtes posé? Est-ce que vous connaissez le nom de cette personne? J'en suis sûr que vous la connaissez même pas. Attendez, le médecin du travail n'a pas terminé. Il pensait qu'on serait resté dehors manifester gentiment. Et là, ben, quand ils sont face à des gens qui sont en détresse, comme on a vu tout à l'heure, le collègue qui dit, mais à combien de suicides vous attendez? Donc là, on sent quand même que la direction peut paraître, enfin, même si elle reste impassible, elle paraît carrément dédaigneuse des fois, où elle balance son micro. Quelque part, quand même, on touche le point. Enfin, puis c'est les salariés qui s'expriment, ben, c'est ça. Hein. C'était surtout ça qu'on puisse au moins que les salariés puissent s'exprimer directement. Pas simplement des délégués syndicaux ou des délégués du personnel, mais que les salariés eux-mêmes, ils ont porté leur revendication. Non, 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 pas ça, pas ça, pas ça. Non, non, non. Madame Jacolo, pour Morlaix, donc je voudrais vous remettre une pétition qu'on a fait passer sur le pays de Morlaix. 1250 signatures. Le département est revenu donc pour nous annoncer que le matin même la décision a été prise d'arrêter le projet, d'annuler le projet concernant Morlaix et ce qui avait été annoncé en France, annuler les fermetures des sites et les mouvements, les mobilités en France pour l'année 2009 jusqu'au 31 décembre. Après, je ne sais pas maintenant ce qui va se passer, mais ça voulait dire que pour nous, c'était une victoire, quoi, quand même. On peut dire ça comme ça. Hein. C'est ce qu'on a ressenti, un ouf de soulagement, déjà. On a vu la fin, parce qu'on s'y habitue jamais à cette position-là, en fait. C'est pas une position très agréable, donc on s'y habitue pas, hein, faut pas dire. Donc c'était pour nous la fin d'une tragédie, quoi, quelque part. Déclare pas les deux numéros identiques. Hein, c'est ça analogique, ça ne comprend pas. Les deux numéros, là, ne pourront être utilisés. Il n'y a qu'un numéro qui sera utilisé. Il faut être clair qu'il y a très peu de gens qui croyaient à notre victoire. Ça, c'est clair. Ouais, très peu de gens. Et cette victoire, on la doit qu'à... Parce qu'on est resté soudés, et puis voilà. On la doit qu'à nous, c'est tout. Et bien sûr, au syndicat. Hein. Parce que je pense qu'il y a Guy Jourdain et Jean-Jacques qui ont fait beaucoup. Donc surtout, Jean-Jacques au niveau de tout ce qui était manif et tout ça, tout organisé, et Guy au niveau, on va dire, plutôt juridique. C'est à voir, enfin, ça je pourrais pas vous dire. À mon avis, ça va marcher. Bon, après, moi je m'avance jamais, parce qu'au niveau juridique, on a toujours des surprises, mais on avait de quoi faire un référé, donc si les mutations d'office étaient arrivées sur Morlaix, on allait en référer tout de suite. Quoi. Et si vous mettiez le fax là, sur le droit des fonctionnaires, ils ont du recul, quoi. Ils ont reculé là-dessus. Quoi. Donc c'est, à mon avis, y compris ils savaient pas que, par exemple, quand on leur a dit qu'il fallait qu'ils donnent le dossier,
ils ont dû regarder les jurisprudences, ils ont dû dire, mince, c'est vrai qu'il faut qu'on donne le dossier. Parce que normalement, ce dossier-là de fonctionnaire, il doit être fait au suivi au jour le jour, pratiquement. C'est-à-dire si la personne elle a changé de métier, si elle a changé d'endroit. Et quand on est parti à Rennes pour consulter les dossiers, on a bien vu qu'ils venaient de refaire. Parce que les gens, qui, les écritures, tout ça, c'était la même personne. Alors que les gens, ils avaient fait des circuits complètement différents. Tu vois, ils avaient été à Caen, à Marche. Donc ça pouvait pas être... c'est impossible que c'est la même écriture qu'on trouve. Donc on savait très bien qu'ils venaient de refaire les dossiers. Ils venaient de les faire. Donc avec tous les erreurs possibles. En gros, le langage de la boîte, c'est « mais vous êtes fonctionnaire, vous avez toujours la garantie de l'emploi. » quoi. En gros, c'est ça. Leur discours fort, c'était ça. Sauf qu'on avait quand même quelques droits derrière. Et on a pioché, on a trouvé, et puis on les a mis en avant. Quoi. Jamais assez. Autrement, bah, pour la défense de notre site, je pense qu'on était peut-être solidaires, mais heureusement que tu étais là. Jean-Jacques, bien sûr, et puis la CGT. Et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait te dire de plus, que tu feras partie des 28 de Morlaix à tout jamais. Et puis je pense qu'il y en a certains qui vont te regretter, je pense. Là, je parle au niveau de la CGT. Enfin, j'espère, hein, parce qu'à mon avis, j'entends quoi, il n'y en a pas beaucoup. Et par contre, il y a certainement, au niveau de la direction, il y en a qui doivent être. On va dire content aussi que tu sois plus là. Je pense qu'il n'y a pas eu trop de problèmes, je pense, pour que tu partes, je pense. Voilà. Et en tout cas, ben, je voulais te remercier pour tout le travail que tu as fait pour nous. Voilà, merci. Et puis je te souhaite une bonne retraite. Ce qu'on veut maintenant, ben, c'est retrouver le même nombre d'emplois, parce qu'ils sont plus 28. Hein, c'est vrai que dès qu'on a lancé le bloc des 28, deux semaines après, ils n'étaient plus que 27. Donc j'avais pas rechangé le titre. Donc, mais depuis, ils sont encore moins, quoi. Il n'y a pas eu d'aura dans la région, non ? C'est français qui a installé tout ça ? Bloc. Oui, alors ? Un installateur. Je pense qu'on assistera à d'autres redéploiements, c'est évident. Il faudra encore peut-être se mobiliser, étant donné qu'ici, il y a une population vieillissante. Certains vont partir dans 2-3 ans. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui vont rester Voilà, l'avenir nous le dira, mais à mon avis, ce sera pareil. Ça n'a pas changé, de toute façon. Les années passent, mais la lutte, c'est toujours pareil. Hein. Ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué. Quoi. D'un côté comme de l'autre. Il faut se battre pour avoir ce qu'on a envie d'avoir. C'est toujours pareil. Tout à fait. Ouais. Mais oui, c'est au central que ça se passe. C'est pour ça que je parlais s'il y avait eu de l'orage. Parce que... Je pense que grâce à ça, on s'est vachement plus soudés ici. Même s'il y a toujours quelques personnes qui sont pas trop dans le groupe, on s'est encore plus soudés. Donc, même si derrière on nous rattaque, je pense que là, il va falloir qu'ils fassent très attention parce que
je pense qu'ils vont avoir des difficultés à nous, parce qu'on sent que ça va revenir, de toute façon, ils vont pas nous lâcher comme ça, on leur a fait tellement de mal, comme eux, ils nous ont fait du mal, on en a profité, nous aussi, on prenait pas de pincettes, hein, quand on avait quelque chose pour les attaquer, on les attaquait. Hein. Ouais, enfin, c'est pour ça, les connes, je vous rappelle. On fait comme ça? J'ai fait le test de la ligne. Bonne journée à vous. Morlaix, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ont disparu à Morlaix, personne n'a pu tenir, et que nous, France Télécom, d'après moi, donc c'est pour ça que... Non, puis 28 contre 28, vraiment un petit site, contre une grande boîte comme FT, non, ouais. Un site gaulois. Ah ouais, on... Thank you.